Hey, salut les crypto lovers, c'est Will Tabor et ce soir j'ai mon petit Xaltox avec moi. Bonsoir à tous. Salut bro, comment tu vas? Ça roule. Bah, attends, j'ai un écho. Voilà. Voilà, nickel. Ouais, j'ai coupé le Discord, tout ça, tout est bon. Ouais, ça a été coupé. Donc voilà, donc ce soir, vous savez bien, c'est Apéro Crypto. Et Apéro Crypto, c'est quoi le concept? C'est une interaction totale avec la communauté. Questions-réponses, découverte de projets, analyse de crypto, discussion autour de la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. À mon avis, vu la chaleur, beaucoup de gens sont tranquillement à une terrasse et on ne sera pas grand monde, mais bon, on verra bien. Mais c'est pas grave, nous on est là en tout cas. C'est parti. Avant toute chose, on va quand même dire bonjour à toutes les personnes qui sont là. Voilà. Il y a Marco, G, Mich, Von Guten Olivier et Johan PTR. Et c'est parti pour le générique. Bababoum. Voilà, le générique est passé. Regarde-moi ça comme c'est magique, la magie de la technique. On est déjà sur CoinMarketCap, c'est pas la fête ça. Mais voilà. Donc, ben, comme vous l'avez pu le constater, le market cap aujourd'hui a chuté assez bien. On est à 874 milliards de dollars. On a un Bitcoin qui perd 0,25, un Ethereum 0,39 et le reste stagne, stabilise, on va dire. Aujourd'hui, c'est assez, on va dire, comment on dit, statu quo. Voilà, c'est statu quo. Et surtout, il y a quand même eu quelque chose de très important, Xal, aujourd'hui. J'avais envie d'en parler. Hop, quand même, avant qu'on nous pose la question, j'avais vraiment envie qu'on en parle, nous. On va sur le Euro-USD. Et sur le Euro-USD, les gars, il y a quelque chose d'historique qui s'est passé. Est-ce que vous le voyez, la quenelle? Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Est-ce que vous voyez que l'euro est passé sous la barre des 1$. C'est assez historique. Et quand c'est arrivé, le Bitcoin a fait de même et il a chuté. Il a rechuté sur les popom. Il est redescendu à 18 920$. C'est quand même assez impressionnant. Regarde le volume qu'il y a eu, Xal, là-dessus. C'est plutôt pas mal. C'est énorme. Hein. C'est du gros volume. C'est du gros volume. Donc voilà, comme ça, on est fixé. On sait que ça a quand même une incidence. La finance traditionnelle, maintenant, il y a 5 ans, je pense que ça n'avait aucune incidence. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Xal. Complètement. Hein. De toute façon, il suffit de voir une chose. Vous regardez à combien de milliards de dollars on était en 2017. Vous regardez à combien on a fait un pic en 2020. C'est x10, je pense. Ouais, c'est ça. On a fait x10. Et les gars, oubliez, santé, moi, ce soir, c'est une pils. Une jupilère pour pas faire la promo. Mais c'est de chez moi, donc obligé, je peux pas. Quand t'es belge, tu bois de la bière. Hein. Donc, apéro crypto, dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous buvez, les gars. Voilà, c'est. Donc maintenant, on voit vraiment que c'est corrélé à la finance traditionnelle, le Bitcoin. Donc, je pense que c'est important maintenant de commencer à regarder. Enfin, nous, on le faisait déjà, Xal, c'est bien. Nous, on regardait déjà à la bourse le S&P 500. On va dire qu'on n'est pas focus non plus là-dessus parce que c'est pas du corrélé à 100%. Donc c'est parce que le SP ou le dollar euro varie que ça va nous concerner. Mais géopolitiquement, c'est intéressant à voir. Exactement. Et pour rester un peu dans ce qu'on dit là, je regardais une vidéo hier qui était assez intéressante qui disait que l'ordre mondial allait changer. Donc que le dollar américain n'allait plus être le maître, mais le yen ou le yuan. Le yuan, merci. J'en ai parlé hier dans ma vidéo, fier. Ah bah je m'en excuse, je ne l'ai pas regardé, tu vois. Mais oui, en tout cas, j'ai vu aussi une autre vidéo qui parlait de ça. Et c'était carrément un documentaire, limite là-dessus, et c'était super intéressant. Et c'est ça qu'il disait. En fait, ce qui était intéressant, ce qui en est ressorti, c'est qu'il disait qu'on est à un moment clé dans l'histoire et les gens s'en rendent pas forcément compte, en fait, parce qu'ils sont pris par un quotidien, en fait. Mais t'as regardé ça sur Grand Angle Crypto? Non, sur Money Radar. Ok. Ah, Money Radar, ok. Bah écoute, moi hier j'ai fait une vidéo qui a bien marché, j'ai fait plus de vues que d'habitude, où j'ai crié toute ma haine sur l'Europe et sur tout ce qu'on a connu depuis que l'an 2000, et on s'est bien fait entuber par cette belle Europe, et surtout que les États-Unis allaient perdre leur hégémonie monétaire et que ça allait passer au yuan, quoi. C'est d'office. Ah, il y a une
Il y a Gio qui dit: Hello les gars, je pense que je vais poser 10 000 dollars sur un short BTC, levier x50, dès que le BTC retouche les 22K et demi. Bah, j'ai envie de te dire, va jouer au casino, ça Bon revient au même. casino. Voilà. 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 Ne prends pas mal, hein, bro. Mais nous, on est traders. On Donc, n'est je vais pas te pas. mentir, hein, moi je suis un fervent du x25 et tout ça, mais c'est quand j'ai envie de jouer, sinon je dépasse pas les x5. Voilà. Pour 25, enfin, à levier 50, tu te 25, rends c'est compte? quand x50, j'y pense même pas, tu vois. x25, je suis déjà en sueur avec le string dans les Mais fesses, alors là, imagine même pas, quoi. il faut que tu te dises, regarde, tu veux mettre. Regarde, ça sent, regarde. Donc les gars, n'oublie pas, c'est interaction totale. Hein. Donc il met à combien? 22, 22,50. En vrai, c'est le top ici. Ouais, c'est ça. C'est le top ici. D'accord. Donc imagine, ton cours du Bitcoin, tu shortes ici. 50%. Ça veut dire que s'il fait 2%, c'est 100%. Ça veut Il est dire que break. si, Il est breaké. si il monte. Donc, il Ah. faut prendre tous les points en conséquence. Hein. À un moment donné, c'était peut-être une feinte. S'il monte de 479 Je dollars pense ou aussi, mais bon. 470 dollars, tu vois, ben tu perds 10 000 dollars. S'il monte de 400 dollars. Le Bitcoin, tous les jours, il monte et il descend de 400 dollars. Bon, tu vois, souviens-toi, Ouais, ici. Ben... Ah, excuse-moi de te couper. J'avais dit, Ouais. pour ajouter, à un moment, j'avais calculé une moyenne de 600 dollars. Mais c'est une variation, hein. C'est comme tu dis, il y a des jours, tu peux avoir 400 dollars entre l'ouverture et la fermeture, comme le lendemain, ça va être 1000, 1002, en fait, entre l'ouverture et la fermeture. Mais si tu fais une moyenne, ça revient dans ces eaux-là, en fait. Ouais. Alors, ce que je peux moi te dire, et pas te conseiller, mais te dire comment moi je trade, je fais du margin trade. Donc tes 10 000 dollars, bro, tu les mets sur un compte de marge. Et tu fais des petits trades, tu vois, par exemple, bah, si tu me suis tous les jours, dernièrement, tu sais bien que j'avais dit faux long, faux short, faux long, faux short, faux long. Mais parce qu'on est dans un, on est dans un, on est dans un range, tu vois. Puis, il faut pas écouter ce que je dis, hein, sinon, voilà, si ça tombe, tu vas perdre l'argent de ma faute. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre, il faut faire des trades en fonction de ce que tu possèdes. Donc, tu possèdes 10 000 dollars, ça veut dire que, je pense que si tu mets déjà 1 000 dollars, c'est déjà énorme. Ça veut dire que si tu te trompes 10 fois, tu perds tout ton capital. Tu vois, enfin. 10 000 dollars, tu dois mettre, je sais pas, 500 boules maximum, hein. C'est ça, faut se rendre compte, tu vois, c'est, enfin, je sais pas comment 5 expliquer ça. 5% max de ton 5% capital. maximum, voilà. Maximum Et t'as 5% pour. 10K à 10K, t'es au stade où si tu triples ton capital, t'arrives à 30K et que si tu sais trader, ben tu peux en vivre. Si Bah, tu peux tu en vivre. sans faire le fanfaron, hein, soyons clairs, hein, en vivant Voilà. normalement, donc je te dis avec un salaire, ça dépend si t'es français ou belge, mais je veux dire en Belgique, si t'as 2000 euros par mois net, c'est un très beau salaire. Il faut pas faire le fanfaron, soyons clairs. Et tu peux en vivre avec 30K si tu es tradé, il y a vraiment moyen. Voilà, donc je peux te dire vraiment ce que notre conseil, c'est le seul conseil que je vais te donner, ne fais jamais 2 x 50, maximum x 3. Et alors, si tu es novice dans le trade, c'est quoi? La N'importe patience est la quoi. meilleure des choses. Achète du Bitcoin et attends 5 ans avec tes 10 000 dollars, bro. Tu gagneras beaucoup plus d'argent que de trader. Voilà, si je puis me permettre, hein, voilà. Dis-toi que moi je trade depuis 2008, hein, depuis la crise des subprimes, donc je commence à venir vieux là. Voilà. Alors, j'espère qu'on a répondu à ta question quand même, bro. Alors, Marco qui met une chose est sûre, c'est que les gens comme nous, on paye et on aura bientôt plus de thunes, plus avoir de projets, etc. Dégoûté. Ouais, maintenant, bro, il faut remettre les choses en considération. Moi, je suis une personne qui a beaucoup voyagé, qui a vécu dans plusieurs pays, et les pays où j'ai vécu, alors c'est tous les extrêmes. J'ai vécu aux Émirats Arabes Unis, où c'est pété de thunes. Et où j'ai détesté, parce que justement c'était surfait, c'était pété de thunes. Et j'ai vécu en Chine, où c'était pété de thunes, mais à la porte à côté, c'était crevé de thunes, il n'y avait pas de thunes, tu vois. Et en fait, tu dois te dire que tous les pays émergents, tous ces pays qui n'étaient pas comme nous, Européens, qui allons dans le supermarché et qui achetons plus de 25 000 références dans un market, je t'explique même pas un hypermarché. Un hypermarché, c'est plus de 100 000 références. Tu vois, où on a la flotte quand on ouvre le robinet, tu vois, ou quand tu allumes un interrupteur, tu as la lumière, que tu peux te permettre de faire un chat avec des gens tranquillou. Et ça, c'est chez nous, tu vois. Et tous les autres pays, genre Afrique, genre Inde et tout ça, ça commence à venir avoir un certain niveau de vie. Mais pour que eux puissent avoir ce niveau de vie-là, ben toi, qui es là, et que eux soient là, ben il va y avoir vase communicant. Et malheureusement, ça va être plus compliqué pour nous. Mais on a eu l'habitude de vivre dans l'opulence, bro. Et je pense comme toi, hein, moi aussi je suis deg, un tracasse par quoi. Mais voilà. Oui, on va chier. Et surtout en Belgique, surtout en France. On va vraiment chier. Parce que.
parce qu'on est dans les pays les plus riches d'Europe, et je pense que l'inflation, elle fait commencer. Mais ça, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que t'en penses, Roxane. De ce que je vois là, oui, c'est. À moins que demain l'Europe trouve des remèdes miracles pour être indépendant à elle-même, en fait, hein, de pouvoir subvenir seule à ses besoins sans avoir besoin des États-Unis, de la Russie ou de la Chine, hein, tout simplement. Ouais, c'est mort, surtout quand tu sais qu'il y a la BRIC derrière qui est en train de tout prendre. Quand je dis la BRIC, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine. Donc ces cinq grandes puissances-là sont liées main dans la main. Le BRICS, comme ça, vous connaissez. Ouais, donc nous on est ridicule, même si on est allé aux États-Unis, on est ridicule comparé à eux. Quand tu sais, allez, on parlait de la Chine là tout à l'heure, la Chine par exemple est endettée à 150%, tu vois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est 150%, c'est de l'investissement à long terme. Donc à court terme, ils sont dans la merde, mais ils ont vu plus loin que les États-Unis et que l'Europe. Donc qui va en ressortir gagnant dans. C'est eux. Comme c'est eux, et on en parle déjà maintenant que ça fait mal. Alors, imaginez dans 10 ou 15 ans. Ouais, et même un autre truc, bro. Les Européens, ils sont remplis plein les fouilles. Tu vois, ils Ah, sont dit, ça. oh, on va. J'expliquais ailleurs dans mon vidéo, je disais, ouais, on va mettre nos usines en Chine. On va faire tout ça en Chine, ça coûtera rien. Comme ça, ce qu'on importe, de toute façon, ça coûte rien. L'énergie, ça coûte rien. Et on se fait des couilles en or en vendant à prix normal à nos concitoyens. Et nous, les gros, on se fait plein de pognon. La seule différence, c'est que les Chinois, ils sont pas cons, tu vois. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, transfert de technologie, bro. Maintenant, c'est eux qui produisent pour le monde entier. Et toi, tu produis quoi? Que dalle. Toutes tes entreprises, elles sont fermées. Tout ton savoir, tu l'as perdu. Tu vois? Ah ben ça Alors, clairement. John Cockerill, il a inventé l'acier. Le coq, Cockerill, John Cockerill. Le coq, c'est ce qu'on utilise pour faire de l'acier. Tu vois, moi, j'habite à Liège et à Charleroi. Je viens de Charleroi, j'habite à Liège. Et à Liège, il y a Cockerill. Mec, les usines, elles sont à l'arrêt. Les usines, ils les démontent. Tu peux m'expliquer comment ça se fait que la ville, le bassin sidérurgique qui a créé l'acier, il n'y a plus une société d'acier. Enfin, il y en a encore deux, trois, mais enfin, c'est du foutage de gueule, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on a tout délocalisé. Parce que ça coûte moins cher ailleurs. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils allaient faire augmenter le niveau de vie ces gens-là, qu'au final, ça allait durer 10 ans, ça. Et une fois que le niveau de vie de ces gens-là monte, ben, les salaires montent. Et du coup, le coût de fabrication revient aux limites au même qu'en Europe. Et toi, en Europe, tu es obligé d'acheter des trucs que tu aurais pu construire chez toi au prix que tu l'aurais dû le vendre toi. Mais en fait, c'est plus toi qui le vends et tu te fais niquer. Et c'est ça que les Européens, ils n'ont pas compris. Et les Américains. Les Américains, eux, ils ont compris. Les Européens, ils n'ont pas compris. Les Européens, c'est le dindon de la farce. L'Europe, c'est le dindon de la farce. Depuis 1945, on se fait fourrer au point dans le cul. Du fist fucking, tu vois. En veux-tu, en voilà, tu vois. Parce qu'avant 1945, Coca, tu sais pas ce que c'était. Les Hollywood chewing gum, tu sais pas ce que c'était. Les cigarettes Marlboro, tu sais pas ce que c'était. Ils nous ont importé toute leur merde, toute leur saloperie, et ils nous ont entubés depuis. On se fait entuber par les Américains. Depuis, c'est comme ça. Et voilà. Alors que l'Europe, normalement, philosophiquement, enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Xan, mais l'Europe, philosophiquement, mec, on est le continent le plus vieux, on est le continent avec la Chine. Parce que l'Empire chinois date quand même de Mathusalem, on est quand même un des continents les plus éduqués. Et au final, c'est nous qui allons nous retrouver comme en Afrique. Et c'est mérité, bro, parce que de toute façon, on les a pillés, ces gens-là. On les a grattés, on a tout volé. Et maintenant, c'est simplement le retour de flamme. Donc voilà, Marco, je pense que oui, il faut te dégoûter. Moi aussi, je suis dégoûté, mais il va falloir apprendre à vivre différemment. Voilà, moi, par exemple, j'ai acheté une maison avec 1424 mètres de terrain de jardin, dont un verger où où j'ai mes pommes, j'ai mes cerises et tout, et je vais faire de la permaculture, je vais mettre des dindes, je vais mettre des poulets, je vais faire ma bouffe moi-même, quoi, mec, tu vois. Voilà, mon but, c'est ça, tu vois, trader, tranquille, tu vois, et arrêter de travailler, trader pour avoir mon petit salaire et profiter de ma bouffe à l'ancienne, à faire mes bocaux et tout, comme me faisaient mes grands-parents, tu vois, parce que ça va arriver où à un moment, tu seras même plus allumé une lampe chez toi si t'as pas de panneau solaire. Parce que quand tu vas allumer la lampe, ça fera 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Voilà. Et ça, c'est de la faute de nos dirigeants, malheureusement. Bah, c'est très simple, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui regardent un petit peu ce qui se passe au Sri Lanka pour le moment. Pff, ça galère, quoi. Tu m'étonnes. C'est les dirigeants, en fait, c'est de la famille royale, on va dire des cousins éloignés de l'Inde, c'est comme ça qu'ils ont pu avoir le Sri Lanka. Et en fait, c'est dirigé par la même famille depuis des décennies, en fait, hein. Ouais. Même pas, peut-être même des siècles, j'ai envie de dire, hein. Et il faut bien dire qu'une chose, c'est que le Premier ministre, c'est le frère du président. Et tous les députés, c'est les cousins de la famille royale, hein, donc ça se passe comme ça. Et là, en fait, c'est comme si je te dirais, oh, on va aller construire une nouvelle route, elle coûte 10 millions, eh ben, on va en prendre 20 dans la caisse de l'État et on va en mettre 10 dans ma poche, tu vois.
Et maintenant, ben, c'est très simple, le pays est en faillite. Mais pensez, oubliez pas ça, un pays en faillite, hein. Dès que vous entendez ça, ou comme la France l'a fait, se mettre en économie de guerre, ben, pensez tout doucement à sortir votre cash, parce que si demain, on vous dit, les banques sont fermées, vous pouvez plus sortir votre cash, Exactement. vous allez bien rire. Et investissez dans l'or, parce que l'or va devenir important. Ouais. Pensez à Chypre, les gars. En 2008, à partir de la crise de subprime, les mecs qui avaient plus de 100 000 euros sur leur compte ont été taxés d'office. On leur a pris de l'argent. Tu vois? Tu De n'as toute pas. façon, en Belgique, c'est N'oublie simple, pas. hein. Si tu as plus de 100K, tu as plus de 100K sur ton compte, on passe en économie de guerre, l'État se serre les yeux fermés. Exactement. Donc voilà, c'est super chaud, quoi. Allez, on va essayer de répondre à d'autres questions. Alors, hello Wiltemer, salut. Alessandra Chris, salut Foupa. Alors, merci pour vos retours. Je veux sortir de cette société d'esclavage. Alors, la meilleure façon de sortir de cette société d'esclavage, mec, c'est de créer quelque chose pour que tu sois ton propre patron. Tout simplement. Voilà, c'est la seule chose que je peux te conseiller. Moi, perso, je suis esclave de mon employeur. Maintenant, j'ai de la chance. J'ai bossé pour, je suis arrivé à un niveau où je gagne bien ma vie, tu vois. Mais la meilleure façon de faire les choses, alors forme-toi, 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 forme-toi sur le trading. Voilà, t'achètes des bouquins, tu te formes, tu fais du paper trading, et quand t'es rentable, donc dans 10 000 heures, donc c'est-à-dire 5 ans, quand t'es rentable, à ce moment-là, tu pourras peut-être te dire, je vais peut-être essayer d'en vivre, essayer d'en vivre, essayer. Mais cette société d'esclavage, la seule façon de ne pas être esclave de quelqu'un, c'est de créer ta propre société. Tout simplement, Et voilà. jouer avec le système aussi. Et jouer avec le système, ouais, T'es bien obligé, évidemment. t'es obligé, t'es obligé de jouer avec le système. Si tu, ça sert à rien d'être anti-système. C'est C'est justement, ça. moi, je dis, il faut comprendre le système et niquer le système de cette manière-là. Voilà, exactement. Alors, il y a Stevie McKay, Steve McQueen qui nous dit l'euro c'était foutu d'avance, mais à l'intérêt de certains. Ouais, mais c'est pas que c'était foutu d'avance. Moi, perso, je kiffe de pouvoir aller en France dépenser mon pognon, tu vois, sans devoir commencer à faire du change. Je me souviens quand j'étais gamin, quand je suis parti faire du ski en France, ben, il fallait faire le change. C'était divisé par 6. Enfin, 500 francs, enfin, 500 francs français, c'était 3 000 francs belges, tu vois, c'était chiant. C'est vraiment chiant. Puis la libre circulation des personnes dans l'Europe, c'est cool. Tu vois, je suis italien, mais je peux être allé en Italie sans devoir à chaque fois attendre à la frontière et me prendre la tête. Et l'euro, c'était une bonne idée à la base, mec. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas un pays. Tu vois? L'Europe, c'est pas un pays. C'est une multitude de pays qui regardent qu'à sa gueule. En fait, il faudrait faire comme aux États-Unis. Ça devrait être les États-Unis d'Europe. Si on était les États-Unis d'Europe au lieu des États-Unis d'Amérique, on serait des États qui sont unis. Dans uni, il y a uni, une, hein, union, ensemble, hein, parce qu'il y a l'Union européenne, mais au final, c'est une communauté économique européenne, c'est surtout pour se faire du pognon que l'Europe a été créée à la base, tu vois, c'est la CEE, et on n'a pas de constitution, on n'a pas d'armée, on n'est pas un pays. Et tant que l'Europe n'aura pas. Allez, s'il te plaît, quand tu vois des fois, c'est des heures pour accoucher d'une. Comme on dit, c'est des heures pour accoucher d'une souris, quoi. Putain, des fois, ils savent même pas se mettre d'accord. On va mettre le drapeau bleu ou on va mettre le drapeau blanc. Et il faut 3 mois pour savoir si on va mettre le drapeau bleu ou le drapeau blanc, façon de parler. Mais je veux dire, l'Europe, c'est ça. C'est empêtré dans un mécanisme. L'Europe était bien quand on était 15. Là, maintenant, 25, ça s'en va les couilles. Ça marche plus. Ça marche plus. En Parce qu'il fait, est. excuse-moi de te couper, Ouais. je trouve l'idée de l'Europe est pas mauvaise en soi, tu Bon, vois. bah Mais pareil. c'est plutôt que prendre les meilleures idées des uns et des autres et de s'en servir et de les mettre en place. Bah non, on va prendre le truc le plus coûteux, le plus pourri qui va plaire à tel lobby, tu vois. Et on va créer de la dette surtout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que regarde l'Estonie, bro, j'ai encore vu un reportage là-dessus. C'est génial ce qu'ils ont fait avec leur système de tout électronique. Donc, Oui, tu payes ton e-Estonia. cadastre en ligne, Attends, il faut juste que je. e-Estonia. Ouais. Je dirais tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Donc, clair. je veux dire, si déjà l'Europe aurait déjà pris un exemple là-dessus, tu vois, putain, on gagnerait du temps sur beaucoup de choses, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, même, mais c'est ça. et quand je dis du temps, c'est beaucoup de pognon aussi, hein, et on parle en centaines de millions d'euros, là, tu vois. Ouais. Donc, à un moment, c'est ça le problème de l'Europe. C'est plutôt que prendre le meilleur des uns et des autres. Non, 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 non. On va prendre de la dette. Ça, on aime bien la dette, tu vois. C'est ça le problème de l'Europe. C'est ça, voilà. Et l'euro est basé sur la dette aussi. C'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, c'est basé sur du vent. Si toi, maintenant, tu consommes plus, eh bien, ton euro, il chute. Et c'est ce qui est en train de Ah, se passer. complètement. Parce qu'un truc de dingue, c'est que les Américains, malins comme un singe, tu vois, le Biden, il a dit à la Fed, t'augmentes le taux directeur. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça?
Mais il a fait ça pour que les gens puissent toujours consommer et faire des prêts. Que chez nous, on l'a pas fait encore. Tu vois, on a la traîne. Et conclusion, ton euro, il se casse ta gueule, tu vois. Eh, c'est bien pour les exportations. Il y en a un qui me dit, ouais, c'est bien pour les exportations. Mais pense au mec qui exporte. Le mec qui exporte, il est payé 20% moins pour la même marchandise qu'avant. Tu vois, ah oui, ça va augmenter les volumes d'exportation que le dollar, la parité avec l'euro. Ah oui, ça c'est sûr, parce que les Américains, ils se frottent les mains. Hein. Discount de 20% sur tout ce qui se passe en Europe. Hein. T'achètes aujourd'hui, c'est 20% moins cher qu'il y a 3 mois. Hein. Donc, alors, l'euro, là, pour l'instant, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Et c'est con, parce que franchement, ça partait d'une bonne intention. Enfin, voilà, moi, personnellement, je l'ai dit hier, je suis enfant de l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'est important. Mais à 15, on était bien. Et quand il y a eu tous les autres qui sont venus voir, pas question de nationalisme ou autre chose, je veux dire, ça marchait, c'était bien. Mais non, il a fallu qu'on se mette 250 millions de personnes pour qu'on pèse dans la mondialisation. Enfin, c'est pour ça qu'on a pris tous ces autres pays, tu vois. C'est juste pour ça, pour qu'on pèse dans la mondialisation. Et au final, ben, ça rime et ça rame, comme tartine et butterham. Quand tu veux faire quelque chose, t'as dans le cul. Il n'y a pas que ça aussi qui dégoûtait de l'Europe. Parce que quand j'ai fait mes études de droit, j'ai découvert un truc. En fait, l'Europe, c'est un déni de démocratie. Là, il y a des gens qui vont peut-être me perdre. Mais je vais vous expliquer ça vite fait, bien fait. En France et en Belgique, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Donc, tu as 3 pouvoirs. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. OK ? Donc, le pouvoir législatif, il émet les lois. Le pouvoir exécutif, il exécute les lois. Donc, la police, tout ça, naninana. Les ministres, hein ? La police, c'est tout ça, l'administration. Et le judiciaire, il regarde si les lois sont appliquées et s'ils ne sont pas appliquées, il les sanctionne. OK ? Dis-moi un petit peu qui se trouve au législatif en Europe. C'est ton exécutif. Donc en fait, le mec qui dans ton pays n'a pas le droit d'émettre de loi parce qu'il y a la séparation des pouvoirs, bah, il s'en bat les couilles mon gars. Parce qu'il est en Europe, et à l'Europe lui, exécutif d'un pays, il passe législatif et législateur. Donc, les lois qu'il avait envie de passer en Belgique, en tant qu'exécutif, mais il peut pas le faire, vu que lui, il peut pas. C'est interdit, parce que la Constitution l'interdit. Mais c'est pas grave, je suis à l'Europe, je suis législatif, donc il y a ce qu'on appelle un déni de démocratie. Parce que ton exécutif et législatif a un pouvoir supérieur. Et ça, c'est complètement scandaleux, tu vois. C'est complètement scandaleux. En fait, carrément, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on dit un déni de démocratie. C'est encore plus fort qu'un conflit d'intérêts. Ouais, je vois bien, mais. Tu vois, et ça, je l'ai saisi. Ouais. Voilà. En fait, un déni de démocratie, c'est vraiment, on se fout de la gueule de la démocratie. Parce qu'en fait, nous, on est des États démocratiques parce qu'il y a une constitution et parce que c'est le peuple qui élit le pouvoir. Et le pouvoir, il est élu justement dans cette façon-là. Législatif, exécutif et judiciaire. Mais quand ton exécutif peut émettre des lois, ça veut dire que les deux sont ensemble. Mais comme c'est interdit dans ton pays, pour que ce soit démocratique, eh bien, l'exécutif est passé législateur à l'Europe. Des fois, j'en discute avec des gens, ils me regardent. Ah ouais? Ben ouais, mec, je sais pas, moi, je regarde un petit peu, quoi. Tu regardes qui fait des lois, tu vois, en Europe, et tu vas comprendre, quoi. C'est abusé. Et ça, personne ne dit rien, tu vois. Et même ça, c'est pur, quoi. Je comprends mieux maintenant pourquoi la Belgique dit souvent « Manu, on va se référer à la loi européenne ». Voilà. Le vrai petit mouton, en fait. Maintenant, il y a quand même beaucoup de lois que la Belgique ne suit pas et qui paye des amendes pour. Hein. Ouais, ça, c'est pas le contraire, mais bon, quand même. Enfin, comment ça s'appelle encore, je ne sais plus. Les lois européennes, ça porte un nom. Les traités, voilà. Les traités européens, en fait, ils sont supranationaux. Ils sont au-dessus des lois. Et donc, ton pays a 2 ans pour l'appliquer et le coder, dans ta loi. Si tu ne le fais pas, tous les mois, tu as des astreintes, tu payes à l'Europe. Quoi. Mais la Belgique, tu n'imagines pas le nombre d'astreintes qu'elle paye à l'Europe. Tu dois le retranscrire, ça passe d'abord par une retranscription. Ça se passe d'abord par une circulaire avant que la loi soit votée. C'est pour dire qu'il y a une loi qui a été votée à l'Europe, qu'il faut attendre que ça soit accepté par la Chambre et le Sénat. Et là, à ce moment-là, la loi sera votée. Tu vois. Mais généralement, ça passe, tu as un papier qui fait forme de circulaire pour dire que telle loi a été votée, qu'on en tient compte. La loi de telle année, tel paragraphe, loi belge est mis en suspension, le temps que la loi soit votée pour la remplacer. Exactement. Et le pire, c'est qu'en Belgique, normalement, ou en France, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, désolé, mais en Belgique, pour la loi est promulguée et pour qu'elle soit d'application, il faut qu'elle passe dans ce qu'on appelle le moniteur belge. Donc le moniteur belge, c'est un truc qui, si la loi n'est pas passée dedans, tu vois, donc elle n'est pas validée, elle n'est pas contresignée par le roi, parce que le roi est garant de ça. Elle n'est pas d'application. Eh bien là, le traité, il s'en bat les couilles. Tu vois, et c'est ça l'Europe. C'est un déni de démocratie. Ils font ce qu'ils veulent avec nos gueules. Et c'est ça qui est scandaleux, tu vois. C'est ça qui est scandaleux. Enfin bref, voilà, on va pas tergiverser un mort sur l'Europe, mais je pourrais parler des heures sur l'Europe. Vous avez des questions crypto? Parce qu'on n'en a pas eu.
Bah, c'est pas grave, parce que je pense que c'est important aussi de parler de tout ça, bro. Parce que quand tu vois l'état de UR/USD, ben voilà, tu te dis quand même, tu sais quoi, on s'est bien fait niquer, quoi. Voilà, on s'est bien fait niquer. Parce que en combien de jours? Hop, Ouais, voilà. mais Moins ça, 5%, tu vois, c'est. c'est pas fini, bro. Ouais, je sais bien que Ouais, c'est pas c'est ce fini, que je bro. dis. Je sais bien que c'est pas fini. C'est Ben moi, voilà. et je vais pas dire que ça me fait pas chier, mais je m'inquiète pas pour ça, tu vois ce que je veux dire. Tant que j'ai toujours acheté mon pain et mettre mes filles à l'école. Ouais, moi aussi, tu vois, c'est pareil, tu vois. Mais bon, là, je m'inquiète quand même, quoi. Alors, il y a Von Guten Olivier qui nous dit qu'en Suisse, il faut 5 000 francs pour vivre. Ça veut dire 5 000 euros, plus ou moins. Eh ben. Ouais, mais leur niveau de vie est supérieur aux nôtres, mais leur pouvoir J'ai bien. d'achat diminue pas, par contre. Ouais, c'est ça, exactement. Tu prends un Suisse d'il y a 10 ans, il payait deux fois plus pour les mêmes vacances. En fait, c'est parce que j'ai un ami suisse et il m'a demandé où je partais en vacances. Tu sais, je t'ai dit où. Et lui, il me fait, je lui dis, toi, tu vas bah, plus loin que l'année passée parce que chaque année, je peux partir plus loin puisque j'ai plus de pouvoir d'achat. Il dit, merci, l'euro qui baisse. Ah, ouais. Ça, je ne savais pas, tu vois. Alors, Miami Gold qui est à Las Vegas. Salut, bro. J'espère que tu kiffes bien à Vegas. Ne claque pas tout ton pognon bien durement gagné à Miami. Alors, l'Inde, premier pays du monde en termes de population cette année. Bah, l'Inde a Ouais. toujours été premier pays du monde hein, en termes de population. Hein. En fait, à savoir que c'est l'Inde. 1,6 milliard, Non, la Chine, c'est avant, 1,4 milliard. Si, si. ouais, je pense que la Chine était devant et que là, vraiment, cette année, l'Inde a explosé les scores. C'est passé dans les journaux, tout ça, Sérieux? tellement. Ouais, et pas en mode petit, tu vois ce que je veux dire. Bah, de toute façon, on va se rebouffer pour les Indiens, ça c'est sûr et Ah, certain, les ça fait longtemps Indiens, qu'on le sait, j'ai tu envie de vois. te dire, si demain, tu as des coronesses, tu vas ouvrir une boîte là-bas, hein. Bah, franchement, c'est parce que ma femme veut qu'on reste ici, hein, sinon je me casse. Mondial. Ah, attends. Là, tu vas voir bien, RVS. c'est Ah, abusé. bon. Donc pour l'instant c'est 1,4 milliard, voilà, c'est ça, 1,448 000. Putain, on est bientôt 8 milliards, on était 5 milliards quand j'avais 20 ans, enfin, quand j'avais 12 ans, pardon. Et l'Inde, ouais, l'Inde 1,402 milliard, donc je suppose que l'Inde effectivement a dépassé, quoi. Donc truc de dingue, hein, que tu vois ce qu'on représente nous, et quand tu vois ici, quand eux vont se réveiller, ça va faire mal, tous les call centers, ça va être chez nous. Bah ouais, c'est ça en fait. Ça aussi, C'est quand hein. tu vois les pays africains, si un jour l'économie, ils peuvent la redresser et la prendre en main sérieusement, tu vois. Bah, c'est eux qui voulaient number one, hein, Mec, avec toutes les ressources qu'ils ont de matières premières, il y a moyen. Hein. Mais il faut aussi qu'ils arrêtent de surpiquer leurs matières premières par les autres, tu vois. Pas fieu. par La les Chine. États-Unis, la La Chine, la Chine. Russie, tout, et tout cela, tu L'Europe. vois. La Belgique, tranquille, tu vois. Non, Et... l'Europe, il pique pas tant que ça. En fait, t'as peut-être un petit peu la France et l'Allemagne, et encore, je suis Ouais, même mais pas ils ont sûr. piqué blindé, Mais fieu. ils achètent beaucoup, en fait, l'Europe, comparé aux autres. Tu vois Tu ce sais, que je quand veux tu vois dire? un petit peu, quand tu vas à Bruxelles et que tu regardes toutes les avenues qu'on a, tous les gros bâtiments, le cinquantenaire, on a eu le palais de justice le plus grand du monde, mec. Le palais de justice de Belgique, tu crois qu'ils l'ont payé comment? Avec toutes les ressources du Congo belge. Ah ouais, le Congo Mais, belge, ouais. tu vois, on a gratté blindé, mec, on a gratté. Donc, c'est juste un retour des choses. Alors, d'autres questions, d'autres questions, d'autres questions. Oublie pas le pouce bleu. Ouais, merci, mon petit Sir John. J'ai pensé aussi à la Finiste. À la fistinière, la fistinière, putain, ce truc. Et si vous connaissez pas, les gars, faut regarder ce truc sur YouTube. La fistinière, un reportage. J'étais choqué, j'ai rigolé, j'étais choqué, j'hallucinais, quoi. C'était trop bon. Oh, il y a du Naked HD, hey, Naked HD XYZ looks like we found your girl. Oh yeah, merci. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'a viré ça. Hop, Ouais, j'espère. merci, mon bro. Alors, en Italie, t'étais millionnaire, ouais, ça c'était avant. Alors, l'argent est basé sur la dette de base depuis l'abolition de l'étalon d'or, ouais, exactement, depuis que Ronald Reagan a demandé qu'on passe sur le pétrodollar. Ouais, je savais que c'était un président, mais je savais pas lequel. Ouais, c'est Ronald Reagan. 1976 ou 1977, je ne sais plus. Ou 74, c'est le traité de. Je ne sais plus comment, mais c'est Mais en important fait, ce traité. il a fait ça parce que en fait, sinon les États-Unis sont en faillite, hein. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Il a fait ça Voilà. pour ça. Hein. Ouais. Et D'ailleurs, moi, je avant, connais la cause, tu vois. Je connais les causes et les faits et la cause, mais je connais pas ce d'ailleurs, qu'il a fait. avant, regardez, billet 1 dollar 1970. Tu mets l'image. Normalement, il est marqué in gold with trust ou un truc du genre. Non, 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 non. USA, attends, 1 dollar. Hop. Il est marqué quelque part, for the pom. Ça, c'est 2009.
En fait, il faut trouver des anciens billets d'un dollar, tu vois. Anciens billets 1 dollar USA. Et dessus, il est marqué gold, tu vois. Il est marqué que ça représente, voilà, in gold we trust. Voilà, in gold we trust. Voilà, vous voyez ? Voilà, elle est marquée là. Nous croyons dans l'or. Parce qu'en fait, l'or était l'étalon. Et maintenant, quand tu regardes un billet d'un dollar de maintenant, il est marqué in God we trust. Ah, ben là aussi, il est marqué in God we trust, putain. Donc, c'est pas un ancien. Mais normalement, il doit être marqué in gold we trust. C'est pas ça ou je me trompe, Xan ? Non, t'as raison, logiquement. Il faut absolument trouver ce truc. Mais il le dit à un moment, il est noté que ça c'est sûr de l'or. This note is legal tender for a top up. $1, Washington, série 1957. In silver payable to the beaker on demand. In silver. Là, voilà, le $1, c'est l'argent. Mais par contre, je sais pas lequel c'est alors. C'est peut-être le $100. Et dessus, il est marqué que ben voilà, ça représente autant d'or, tu vois. Mais forcément, je le trouverai pas, tu vois. Voilà, in gold coin payable, voilà, c'est ça. Hop, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop, et on zoome là-dessus. Voilà. In gold coin payable to the bank on demand. Donc, c'est échangeable contre de l'or. Et maintenant, billet. Hop, billet. $100. Hop. Actuel. Non, pas 100 euros, on s'en bat les couilles. Un billet de $100. On va mettre 2020. C'est quoi ça? L'image. C'est vrai que c'est juste pour votre culture, hein, les bros. Alors. Non. Il est juste marqué $100. Voilà. Vous voyez la différence? Donc avant, c'était sur l'or. Maintenant, c'est sur rien. Parce qu'en fait, tu peux pas l'échanger contre de l'or. Enfin, tu dois acheter de l'or. Mais je veux dire, ça vaut pas l'or. C'est ça qui est important. Et on s'est fait niquer avec tout ça. Enfin bref, on divague, on tergiverse. Mais c'est ça qui est bien avec l'apéro crypto. Alors, rajoute le pouvoir monétaire qui supprime la donne. Alors, l'USD... Alors, crois-tu qu'il y aura la défi sur ETC? Très bonne question. J'allais le dire aussi, ça. Ça, merci, Tal Vibes. Écoute. Hop. Bah, je suis déjà sur CoinMarketCap ici. Tu viens, tu fais ça. Tout dépend de ce qui va se passer avec Ethereum 2.0. Si lorsque Ethereum 2.0 s'arrête en proof of work et que le HH, donc le HH, c'est la puissance de minage, hein, qui est utilisé pour l'instant pour Ethereum normal, passe sur Ethereum classique, il y a un risque que ça arrive. Parce qu'il va y avoir un maximum de pognon qui va rentrer dans la blockchain, donc peut-être. Maintenant, compliqué. Parce que la défi, pour le moment, c'est assez compliqué. En fait, moi, je pense plutôt la bonne question qu'il faut se poser, est-ce que tu penses que dans 4 ans, la défi sera encore là? Comme l'est le masternode, comme l'est le stacking l'est toujours, par exemple, tu vois. Le stacking l'est toujours, le masternode l'est toujours. Mais en moins scam, tu vois ce que je veux dire. Le masternode l'est toujours, on va dire. Maintenant, c'est des bons projets, tu vois, c'est des bons projets. Voilà. Mais les masternodes qu'il y a eu, genre FDR, tout ça, naninana, hein, sans citer, qui surfent sur chaque vague de trucs et qui font des faux volumes, eh bien, la défi, je pense qu'elle sera toujours là. Mais ça va être de la défi plus institutionnalisée et beaucoup plus contrôlée. Parce que pour l'instant, la défi, ça a été beaucoup de scams, hein, à part PancakeSwap et Uniswap. Franchement, le reste, ça a été beaucoup de scams, beaucoup de bullshit, de copies. Il y a le Curve, il y a le AAV, il y a quelques cryptos qui sont bonnes. D'ailleurs, regarde un petit peu, si tu mets sur 7 jours, AAV, il te fait 23%, fieu, tu vois. Et Uniswap, il te fait 6,96%. Voilà. Curve DAO, il fait 3,60. Et après, tu descends, le reste, c'est dans la merde. Donc oui, la défi, il y aura toujours, parce qu'il y aura toujours l'intérêt de gagner des intérêts. Mais le truc, c'est que, est-ce que, par exemple, une société comme Celsius, qui te donnait un rendement de 8% en Bitcoin,
parce que derrière, il y avait des gens qui empruntaient des crypto-monnaies, enfin, faisaient des prêts aux crypto-monnaies. Mais dis-toi que les mecs qui empruntaient la crypto-monnaie, c'était... ils se mordaient la queue parce que c'était des gens de la crypto qui faisaient ça. Enfin, c'était la société qui avait une autre société écran qui faisait ça pour faire monter le machin et pour générer des intérêts. Tout ça, c'est du market making, tu vois. C'est... Qui va emprunter des cryptos pour acheter une maison? Enfin, tu vois, enfin, il y a beaucoup qui se font. Donc voilà, la défi, c'est bien. Mais je pense que la défi, donc, va peut-être se rapprocher de la vraie finance, mais de manière décentralisée. Voilà. Donc, le fait que faire des pools de liquidités, ça, je trouve ça bien. Ça fait partie. Maintenant, on commence à faire des prêts, des machins, des bazars. En fait, tu te lances dans tout ce qui a tué la finance traditionnelle et que tout ce que combat Satoshi Nakamoto avec le Bitcoin, tu fais de la merde, quoi. Voilà. Maintenant, la vraie finance décentralisée, oui, j'espère. J'espère. J'espère que tu auras des dividendes un jour de tes crypto-monnaies. J'espère que tu auras... comment dire, comment on appelle ça, des options, il y en a déjà maintenant, que tu auras des turbos, que tu auras des warrants, que tu auras des trucs, mais de la vraie finance, mais décentralisée, automatisée. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, est-ce que la défi sera là sur ETC? C'est une bonne question, mais c'est plausible. Alors, CryptoCast, ton avis sur le PKN, le porno ramasse un max de blé, même en temps de crise. Alors, Fieux. Je connaissais même pas. Hein. Il y en a combien en circulation déjà? Et max supply, 5 milliards. 5 milliards. Total supply, il y en a 3 milliards. Donc il y en a encore 1 milliard 50 millions qui doivent être sortis. Hein. Et le prix, ok. Ouais, alors sur un an, ton PKN, il a perdu. Il a eu un top à 0,16 et là il vaut. Ouais, 0,026, quoi. Alors, niveau prix, ouais, c'est intéressant, hein, parce que tu peux faire un bon pump, hein, si ça monte. Bien évidemment que le porno, ça gagne, mais ces mecs-là, ils sont derrière quoi? Ils sont derrière YouPorn? Ils sont derrière Playboy? Ils sont derrière, tu vois, ouais, des grosses sociétés? Non, ces mecs-là, ils ont juste, pour moi, ils sont juste dit, on va créer un coin sur le porno et on va dire, voilà, nani nana, il y a ça et ça et ça. Et les gens, ils vont se dire, ouais, c'est du porno, on va faire du pognon. Perso, si un coin devait sortir Playboy, deux chez Playboy, là oui, bah, je te dirais, ça va faire du pognon. Alors, comment ça s'appelle ce machin que j'ai découvert là? Bah, le mec qui demande, c'est quoi ta voiture? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et tu vois des meufs de 20 ans, et elles roulent en McLaren, tu vois, et quand je voyais ça sur YouTube, j'ai halluciné. Et alors, elle disait, il y en a une, elle a dit, comment ça s'appelait? OnlyFans. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc OnlyFans? Moi, je suis youtubeur, je regarde un peu, c'est OnlyFans, tu vois. Et en fait, ouais, c'est des gens qui te soutiennent et tout, tu vois, en fait, par OnlyFans. Et en fait, quand tu vas sur le truc, tu te rends compte qu'en fait, ces Instagrammeuses-là, en fait, elles vendent leur cul sur OnlyFans, en fait. Donc, elles sont payées des centaines de milliers de dollars par mois. Ouais, par c'est des camp girls, quoi. Ouais, c'est des camgirls, en fait, c'est ça, tu vois, par des gros vicelards, tu vois. Et là, ils ont complètement détourné le projet de OnlyFans qui était, bah, toi qui es derrière ta caméra, que t'as envie de me soutenir, tu me fais un petit tips, tu vois, c'est un truc de dingue, quoi, tu vois, j'étais même pas au fait de ça. Si eux, limite, ils créaient une crypto-monnaie, oh putain, all-in, tu vois, no face, tu vois, parce que, ben, bah, la plupart des gens, enfin, la plupart des mecs aux États-Unis, ils sont gros, ils sont tout seuls, et à part regarder du porno, ils font rien. Donc, voilà. Mais sinon, ouais, le porno sur la crypto-monnaie, je sais pas, c'est comme une vague, quoi. Tu vois, à mon avis, ils ont essayé de ça pour faire du pognon, rien d'autre. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, c'est comme, je pense un peu comme toi, si c'est un truc comme Pornhub ou RedTube ou un truc de cam girl bien connu qui sort ça, bah, j'ai envie de te dire, même petit billet, ça coûte rien. Tu vois, c'est bien que sexe, drogue, alcool. Ouais. Voilà, je te fais pas un dessin, donc tu peux toujours gagner. Maintenant, c'est après. Je suis allé sur le site, voilà. Mais si ça. Voilà, ouais, c'est Pokémon. Ouais, voilà, il a copié. Ouais, c'est du. Moi, je mettrais pas un billet là-dedans. Ouais, moi non plus, ça me fait peur. Maintenant, si ça tombe, ouais, c'est quoi? Est-ce qu'il y a autant de gens dans la crypto qui font ça, quoi? Tu vois, je sais pas, faudrait que je me renseigne sur le projet, quoi.
Tu vois, pas NFT, il y a carrément des NFT et tout. Ils ont vraiment surfé sur tous les trucs. Tu vois, quand tu vois la qualité de la vidéo ici, t'as bien compris, quoi. Hein, tu vois, en plus, c'est flouté et tout. Ouais, ça, c'est du montage, quoi. Tu vois. Enfin, pour moi, hein, maintenant, je peux me tromper, tu vois. Voilà, quoi. Je peux me tromper. Parce que... Et je te dis. Voilà, là, c'est un truc à me faire ban de YouTube. Ce que je viens de faire. Bah, vire ça, alors. Ouais, bah, je le virerai. Je mettrai pas la vidéo en ligne. Voilà. J'étais bêtement sur un site d'un truc projet. Crypto. Et à mon avis, je virerai le passage. J'ai quand même déjà perdu une chaîne, hein, sans fricon. Alors, question à deux balles. Vu l'inflation prévue aux USA à 8,6% aujourd'hui, à 9,1% résultat, je vois toujours une dernière jambe baissière sur le Bitcoin. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est corrélé. Avec l'euro USD, c'est corrélé, tu vois. Attends un peu, comment est-ce que je peux faire? Et avant, ça va mettre un autre cours, tu vois, bro. C'est ici. Ouais, ça. Oh, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas comment ça. Ah, c'est là. Voilà. Le problème, c'est que c'est compliqué de mettre la bonne. Attends, on va essayer de mettre un peu en droite, style d'unité. Ouais, le problème, c'est que c'est pas réellement. Voilà, on est à moins 10. Non, je comprends pas. Je sais pas. Avant, on savait le mettre différemment. Maintenant, je sais plus le faire. Bon, pour répondre à ta question, Olivier. Tout à l'heure, Exaltox, on discutait d'un truc. On discutait de notre Fibonacci. Tu l'as toujours ton Fibomi, bro? Attends. Tu partages ton écran, tu le remontes? Ouais, je le partage. Voilà, on va vous montrer. Attends, ce qu'on pense. Je vais faire juste ça avant. Hop. Pourquoi est-ce qu'il veut pas partager? Ah oui, c'est ici. Partager. Et en attendant, je réponds à notre question. Alors, Aurel Kaku, que pensez-vous? Ouais. Le Bitcoin peut-il descendre au prix de son coût de minage? Oui, tout à fait. Regarde, c'est pas compliqué. Tu regardes mars 2000. En mars, quand il y a le rebond ici, on était à 3 800 $. Ça coûtait moins cher. Il coûtait moins cher que le coût du minage. Donc oui, c'est possible. J'ai mon écran, tu peux partager. Ok. Hop là. Donc ça, c'est Xal qui va vous expliquer un petit peu son point de vue. Donc en fait, c'est assez simple pour nous, peut-être pas aussi clair pour vous. Mais en fait, je vais vous expliquer une chose. Ici, on a vécu toute la montée de 2017 que vous voyez jusqu'ici, puis toute la phase de descente jusqu'au 3002. Et avec Will, on s'est dit, ici, on a encore vécu un bon 85 ou 90% de correction, je ne sais plus exactement. Ouais, 90%. Voilà. Et on s'est dit, tiens, ici, c'est bizarre, on a été chercher le 78 de Fibonacci, ça c'est le 61, et ça c'est le 50, pour que ce soit clair pour vous. Et je me suis dit, tiens, il n'est pas franchi pleinement, chose que j'espère, je ne vais pas vous mentir, comme ça on pourrait aller chercher les plus bas si ceux-ci cassent. Mais je disais, oui, là tantôt, je fais, tiens, c'est pour moi ici, si maintenant on a un rebond dessus, sachant qu'on a déjà méché à 17 400 $, je fais le game il change. Elle me fait, comment ça tu vois ça? Bah, je fais, c'est très simple. Ça veut dire qu'il y a tellement d'argent par les institutionnels que les whales n'ont plus autant de pouvoir qu'avant pour faire descendre le cours aussi bas et recaver, comme on dit dans le poker, en fait, donc racheter beaucoup plus de ce qu'ils en avaient au plus haut. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais le 85 ou 90% de correction, mais ça arrivera moins souvent et qu'on va être plus sur des analyses techniques et chartistes que sur du FUD. Parce qu'il faut bien vous dire qu'à partir du moment où vous cassez à 78% de Fibo, bah c'est tout le reste, c'est tout ça, c'est du FUD en fait. Hein. Comme vous avez cet effet de FOMO, je vais mettre ça en automatique, comme ici, tout ça, c'est du FOMO. Tout ça ici, le FOMO, il commence aux alentours ici, une fois qu'on casse le truc. Donc, c'est ça qu'il faut, il faut vraiment le voir sous cet angle-là. Donc, moi, je le souhaite sincèrement qu'on casse, comme ça, on peut recharger plus bas et s'en mettre plein les poches. Mm-hmm. Maintenant, si on le casse pas, bah, il faut bien dire que les whales ont moins de pouvoir dans le game. Donc, ont perdu de la dominance, il faut le voir comme ça. Ont vraiment perdu de la dominance. Et que c'est les institutionnels qui ont les cartes en main. En fait.
Alors, si tu peux parler sans accent belge, please. Tu peux me le virer, lui. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Fais-toi plaisir. Merci. Alors, bah donc, Olivier, donc du coup, par rapport à ça, ce qu'on peut dire aussi, c'est certes, l'inflation, elle joue. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le chart qui joue. Il y a aussi le chart qui, pour moi, est plus important que les news et tout le reste. Je pense que tu me suis assez longtemps pour savoir que quand on était ici en avril 2021, j'avais dit, les gars, c'est bon, la fête, elle est finie. On a chuté jusque-là. Je ne m'attendais pas à ce que ça remonte. Bon, je me suis trompé. Mais une fois qu'on a eu à nouveau sur du weekly, pardon, le dead cross ici et quelques autres indicateurs. Je vous avais dit, ça va chuter. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bots aussi sur les crypto-monnaies qui utilisent, n'est-ce pas mon exal, qui utilisent des données de tendance, des données de fréquence, des données de beaucoup de choses et qui utilisent l'analyse technique. Parce que les bots peuvent faire ce que vous voulez, mais ils utilisent l'analyse technique. Hein. C'est pour ça que l'analyse technique, ça marche. Sinon, ça marcherait pas. Parce qu'il y a beaucoup plus de bots là-dessus que le reste. Donc, bien évidemment, il peut y avoir quand même une forte corrélation. On pourrait peut-être voir une jambe baissière assez puissante sur le Bitcoin venir chercher. Moi, j'aimerais vraiment bien qu'on vienne chercher les 13 764 dollars qui représentent le all-time high, la TH 2019, pardon. Ça se révèle plus sûr. Maintenant, quand je vois qu'ici, c'est en train de résister, de chez résister, et qu'on est vraiment sur une petite zone ici de 3 semaines qui était pas mal, et qu'on est au 78 de Fibonacci, je me dis que ça peut être vraiment, 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 vraiment bien. Voilà. Donc, compliqué. Ça me plairait aussi, comme toi, une dernière jambe baissière. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Ça, c'est la question. Pour le Et oui. moment, ça résiste ici. Ça résiste au niveau des 18 000, 19 000 dollars. Voilà. Si tu vois que ça casse là, il y a une chance qu'on vienne chercher les 13 764 dollars parce que de toute façon, il n'y a rien qui supporte, quoi. Là, après ça, c'est que démonter, hein. Donc, normalement, ça doit péter. Bon. Voilà. Bah, ça va compresser, à un moment ça accumule comme on dit, maintenant on ne sait pas si ça va accumuler pour du long ou pour du short, c'est ça le truc. Voilà. Parce qu'on est sur un support technique. Donc tu peux faire ce que C'est tu ça, veux, tu quoi. peux danser sur sa tête tant que ça n'a pas breaké vers le haut, vers le bas, t'as ni tort ni Ouais. raison. C'est ça. Et alors, autre chose, et pour l'instant, on est en train de se diriger vers quand même un petit scénario à la 2018, quoi, tu vois. Parce que ça, faut pas l'oublier, hein. Je vous l'ai dit dans mes lives, les gars, on est en train de compresser en créant un range. Ben, la dernière fois que ça a compressé en créant un range, tu vois, en faisant une sinusoïdale de plus en plus petite, derrière, ça a chuté blindé. Et on a rebondi sur la 200. Le problème, c'est que là, on est sous la 200. Donc, le seul support que tu peux avoir maintenant, c'est le dernier plus haut. Et le dernier plus haut sur du weekly, c'est ton 13 764 dollars. Et il y a intérêt que ton 13 764 dollars tient. Parce que s'il tient pas, après, le prochain support, t'es dans la merde. Je sais pas où on va les chercher, quoi. Oui, on sait les chercher. Ici, puis là, puis là, puis là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien pour te retenir. Les moyennes mobiles, vous devez voir ça comme des filets, quoi. Moi, c'est comme ça que je les vois. C'est des filets qui retiennent le cours. Et là, on a pété le dernier. Maintenant, il y a peut-être la moyenne mobile. C'est vrai qu'il y en a une que j'utilise que très rarement. Il y a peut-être la 300, la 365 jours aussi, tu vois, sur du daily. C'est rare que j'utilise. Mais je pense que. On va voir, c'est compliqué. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre vraiment à fond à ta question, mais j'espère que tu as quand même un petit morceau, bro. Alors, ça ressemble à la courbe euro-dollar sur 20 ans quand même. Lequel, le Bitcoin, bro? Alors, c'est quoi ta bière, dit Wade? Ah, ma bière, c'est la Bies bière en Belgique. Ça, c'est de la Bies bière. C'est de la Jupiler, vieux. Voilà. Et ça va être près de chez moi. Jupi, c'est une ville. L'air. Parce que c'est frais, c'est bon, c'est comme l'air. Voilà, c'est la bière nationale en Belgique, tu vois, c'est sponsor de l'équipe nationale belge, comme ça tu sais, jusque-là. D'ailleurs, c'est la Jupiler League chez nous. Bah, tu vas dans un stade de foot, c'est ça qu'on sert, donc. Et elle est fraîche, c'est une pils parfaite, juste ce qu'il faut. Dire que j'en buvais pas avant d'arriver à Liège. Et voilà, une bonne petite jupe, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, Padawan met une petite jupe. Alors, ah, j'arrive pas à voir. Voilà, alors, les hommes savent si. Exactement, Pada. Alors, je pense qu'il faut attendre le 25 ou le 27, date cruciale pour les marchés et surtout pour la crypto-monnaie. Qu'en penses-tu? Quoi, l'annonce de la Fed, là? Pff, ouais.
Je sais pas. Je sais pas. En fait, dans un bear market, quoi. Enfin, tu vois. Enfin, dans un bear market, en fait, toutes les annonces, tous les machins, ça sert à rien. Parce que de toute façon, ça chute. Ce que tu dois attendre, c'est un retournement psychologique. Tout simplement. Tu dois attendre le moment où tout le monde. En fait, quand tu vois que tous les youtubeurs qui ne sont plus là vont réapparaître, là, tu vas te dire, ah, ben, j'ai bien fait d'acheter. Parce que c'est maintenant que ça va monter, tu vois. Voilà. Et quand tu les entends dire tout de moon, on va arriver au million, vend. Voilà, tout simplement. Utilise Twitter et YouTube comme indicateur, ça marche très Et très quand t'en bien. as un qui essaye de vendre un projet, n'achète pas. Vas-y, me pourris pas mon projet, moi. J'ai un vrai projet que Ouais, j'aimerais bien mais avancer. non, mais c'est bien pour qui je dis ça. Ouais, je sais bien pourquoi tu dis ça. Tracasse. Alors, je sais pas, je prends de l'accro, moi. Ah, de l'accro, c'est quoi ça, de l'accro? Ah, de l'accronambour. Ouais, mais non, chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, c'est Jupiler, vieux. Alors, c'est une pièce de Jupi en Belgique. Ouais, exactement. Alors, papapom, ça manque de pouces, vous trouvez pas? Ouais, ça manque toujours de pouces. Alors, le Bitcoin ne devait pas jouer son rôle d'anti-inflation. Alors. Les gars, What the est-ce que fuck, vous avez déjà lu le plus white 10 paper? minutes. Non, mais est-ce que vous avez lu le white paper, s'il vous plaît? Enfin, le Bitcoin n'est pas là pour être une réserve de monnaie. Le Bitcoin a été créé pour être un moyen de transfert de valeur de personne à personne sans utiliser un tiers de confiance, c'est-à-dire une institution bancaire. C'est pour te donner le pouvoir à toi sur ton argent. Il n'est pas là pour être anti-inflation. Il n'est pas là pour être une réserve d'argent. On a perverti le Bitcoin. La preuve en est qu'il n'est pas une réserve d'argent. Le Bitcoin est une rareté. C'est pour ça qu'il prend de la valeur. Parce qu'il y en a 21 millions qui seront frappés en 2143. Point. C'est comme l'or. Point. Tu vois? Et c'est pas anti-inflation. Non, le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto pour dire allez vous faire foutre les banques, on va trouver un nouveau système, un nouveau moyen pour Internet pour s'affranchir de vous. Ça, ça sert le Bitcoin, s'il vous plaît, les gars. Ça En m'énerve. fait, Enfin, j'ai rien contre toi, Laurent. Excuse-moi, bro. J'ai rien contre toi, Laurent, mais ça m'énerve d'entendre ça parce qu'il y en a plein qui disent ouais, Bitcoin, c'est une réserve de valeur, c'est anti-inflationniste. Non, non. Le Bitcoin, c'est un moyen de transférer ta valeur de personne à personne. Point. Ça sert qu'à ça. Voilà. Et maintenant, il y a eu tout un ramdam derrière parce qu'il a pris de la valeur et t'as les banques, les sociétés qui veulent faire du pognon dessus, qui essayent de te faire croire tout ça pour que toi t'investisses de l'argent et que tu perds tes couilles. Voilà. Vois juste le Bitcoin comme une voiture sur un chemin qui est la blockchain pour envoyer ton argent avec ta voiture à un pote sans passer par une banque et que la banque se sucre sur ton dos. Voilà à quoi ça sert le Bitcoin. Excuse-moi, Laurent, ne prends pas mal, mais c'est parce que ça m'exaspère. Il faut lire le white paper, s'il vous plaît, les gars. Lisez white paper. Faites-moi plaisir. Voilà, Xavier, excuse-moi. bah, j'allais dire, il y a moyen de le faire devenir anti-inflationniste, mais c'est utopique. Il C'est faudrait utopique. que, dans un sens, imaginez tous les travailleurs de France aller dire à son patron demain, je ne peux plus être payé en euros, je vais te payer en BTC. Et que la vague se propage en Hollande, en Belgique, en Allemagne, etc. Bah là, oui, ça va devenir anti-inflationniste parce que l'euro va chuter et le prix du BTC va augmenter puisque tout le monde va vouloir en acheter. Tu vois, donc on va créer une rareté, on va créer une demande. L'offre et la demande, je vous fais pas le concert, vous le connaissez tous. Là, ça va devenir anti-inflationniste. Mais pour ça, il faut un effet de masse. Et là, on n'y est pas. Ouais. Et en plus, aussi, surtout, t'as l'impression que c'est anti-inflationniste parce qu'avant, avec un bitcoin, t'achetais rien, et maintenant, avec un bitcoin, t'achètes beaucoup de choses. Mais il n'a pas été créé pour ça, tu vois. Le bitcoin, il a été créé juste pour faire un transfert d'argent. Puis, il y a des gens qui se sont dit, ouais, bah attends, ce truc, c'est génial, tu vois, donc on va lui donner de la valeur. Donc, on a commencé à lui donner de la valeur. Et plus il y a de gens qui veulent quelque chose qui est rare, plus ça prend de la valeur, tu vois. Alors, on s'est dit, bah, en fait, c'est une réserve de valeur, tu vois. Mais non, c'est pas une réserve de valeur. Parce qu'en fait, il a la valeur de qu'on lui donne. Le Bitcoin, c'est comme tout. C'est un meuble, c'est un bien meuble. C'est comme mes AirPods. C'est la même chose. C'est du mal à comprendre, mais un Bitcoin, c'est comme des AirPods. C'est un meuble. C'est pas de l'argent. C'est un meuble. C'est un bien. C'est un bien. Et ce bien, tu lui donnes la valeur que tu veux. Et toi, si aujourd'hui tu veux payer 19 648 dollars pour avoir un Bitcoin, eh ben, c'est toi qui fais que le Bitcoin vaut cet argent, tout simplement. Quand il était à 68 000, c'est parce que c'est l'offre et la demande. On lui a donné cette valeur-là. Mais c'est pas pour ça qu'il est anti-inflationniste. Un truc anti-inflationniste, alors on aurait dit que le Bitcoin, on en met 21 millions,
Et tous les mois, il y en a autant qui sont brûlés. Là, d'accord. Voilà. Mais je comprends aussi ton point de vue, hein, Xal Trakas. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que si un jour tout le monde l'utilise, ce sera différent, parce qu'il y en a très peu. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas le but premier du Bitcoin. Voilà. J'espère que je n'ai pas perdu un abonné. Désolé. Non, je pense pas, mais je pense que... Voilà. Mais voilà, il n'a pas de rôle anti-inflationniste, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Il n'y a pas de rôle anti-inflation sur le Bitcoin. Son rôle unique et son vrai rôle, c'est disrupter le système bancaire et le système de tiers de confiance qui nous a servi. Parce qu'en fait, tu ne possèdes pas ton argent, tu possèdes un droit de créance envers une banque, une société. Que si le jour elle coule, ton droit de créance, il ne vaut plus rien et tu perds tout ton pognon. Et le Bitcoin, il te libère de ça, de ces chaînes. Il dit, le Bitcoin, eh bien... Toi, tu possèdes ta valeur. C'est toi qui la possèdes. C'est pas la banque, vieux. T'es ta banque. C'est ça, l'essence même du Bitcoin. C'est se passer du système financier en place. Tout simplement. Voilà. Mais oui, il pourrait être anti-inflationniste dans certaines circonstances, mais tu vois, c'est quand je dis le Bitcoin ne devait pas jouer son rôle anti-inflation, non, il n'a pas de rôle anti-inflation. Voilà, j'espère, Laurent, que tu m'en veux pas, mais c'est important que tu comprennes la différence. Vraiment, le rôle du Bitcoin, c'est te libérer de l'emprise des banques et surtout du fait de posséder ta propre valeur. C'est ça qui est important. Alors, est-ce que tu avais une question intéressante? Non. Bah, y a quelqu'un qui dit si on nous coupe l'électricité, il n'y aura plus de BTC, mais de l'heure physique, bro. J'ai même envie de dire, il n'y a pas forcément besoin de couper l'électricité. Coupe simplement tous les serveurs du monde qui fournissent Internet, non. Et là tu vas voir comment c'est le non. Cas. Non, parce qu'il y a ça. Il y a un Bitcoin par satellite. Quoi? En fait, ouais, mon bro, ça fait longtemps. J'ai écrit un article il y a 3 ans là-dessus. Internet par satellite gratuit, attends, l'achète. Non. Attends. En fait, il y a Bitcoin qui est. Bitcoin. Attends, on va sur Google. C'est la firme qui fait ça. Voilà, Google. Bitcoin satellite. Et en fait, du coup, t'as même pas besoin d'être connecté à Internet pour envoyer des transactions. Voilà, Blockstream. Voilà, excusez-moi. Voilà, Blockstream. Dans l'espace, les satellites Blockstream montent en gamme. Et en fait, si tu veux Blockstream, c'est la blockchain Bitcoin par satellite. Conclusion, pas besoin d'avoir Internet. Il suffit que tu aies une antenne, que tu captes le flux et tu sais envoyer une transaction. Même sans téléphone. Enfin, avec un téléphone sans réseau, sans avoir un opérateur. Ouais, je capte. C'est un truc de dingue. Je vois le concept, quoi. C'est juste qu'il faut que le satellite soit au-dessus de toi. Dans ton continent à ce moment-là, on va dire. Ouais. Donc voilà, maintenant, le truc, c'est que oui, forcément, s'il n'y a plus d'électricité. Mais mec, le jour où il n'y a plus d'électricité, quand tu coupes l'électricité, tu retournes à l'âge de pierre. Enfin, tu retournes au Moyen-Âge. Hein. Donc je pense que le Bitcoin, tu n'en auras plus rien à foutre. Je crois que ton seul souci sera d'empêcher les gens de rentrer chez toi et de te piller, tu vois. Donc je pense que tu ne penseras plus au Bitcoin, tu penseras à l'arbalète que tu as dans ta cave et qui va pouvoir te protéger, tu vois. Je pense, hein. Je pense. Alors, tout ce qui prend de la valeur et que tu possèdes versus une monnaie qui perd de la valeur est anti-inflationniste d'un certain sens, mais ce n'était pas le but. Ouais, moi ce qui me tiquait, c'était le rôle, tu vois, dans sa phrase, le rôle anti-inflationniste, tu vois, en tant que Bitcoin lover, parce que moi j'aime le Bitcoin, franchement, je trouve, en fait, le Bitcoin, pour moi, c'est l'invention... de notre civilisation, tu vois. L'électricité, oui, c'est bien, tout ça, mais le truc qui va faire un tournant dans notre civilisation et qui va changer de paradigme, c'est le Bitcoin. C'est la décentralisation. Parce que un pouvoir central, ça t'oppresse. Quand il y a le pouvoir dans quelques personnes, ça oppresse le reste. Mais le Bitcoin, niveau philosophie, c'est ça, en fait. C'est la décentralisation. Et la décentralisation, c'est l'anarchie. L'anarchie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi. L'anarchie, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir central qui te soumet les lois. C'est un peu comme en Suisse, si je ne me trompe pas, Olivier. En Suisse, tout le monde décide des lois. C'est la seule limite vraie démocratie qu'il y a dans le monde. Hein. Donc voilà. Enfin bref, je pars dans mes tergiversations. Je suis Bitcoin. Voilà. Alors, autre question. La première ligne du white paper du Bitcoin, c'est le système de paiement. Voilà, exactement. C'est un système de paiement de pair à pair. Voilà, un transfert de valeur de pair à pair. C'est tout. Voilà. Merci, mon petit Padawan.
Alors, Ledger peut-il se barrer avec la caisse et nos crypto? Non, il ne peut pas se barrer avec la caisse et ses crypto. Parce qu'en fait, ta Ledger, c'est juste une clé pour accéder à un wallet. Quoique, qu'est-ce que tu en penses, Xan? C'est possible? Non. Non, hein. En fait, la clé, c'est... Bon, j'en ai une autre. J'ai pas une Ledger, moi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo toute comique sur ma première chaîne, quand j'avais fait l'unboxing. Moi, j'ai un Keepkey. J'ai ça. Un Keepkey. Ah, je et me en fait, souviens de celle-là. Ça, c'est main gauche. Ça, c'est main droite. Moi, je me souviens. J'avais fait un unboxing, un petit peu à l'unboxing. Elle était comique, cette vidéo. Et le Keepkey, en fait, si tu veux, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est comme la clé de ta voiture. En fait, tu rentres sur ton wallet, mais sans ça, tu ne sais pas rentrer dedans. Mais en fait, Ledger, il n'a pas ta clé. Tu vois, il a pas ta Ledger. Tu vois, il a pas ça. Ceux qui ont créé ça, ils l'ont pas. Si tu veux, c'est juste une clé physique pour rentrer sur un portefeuille virtuel. Mais sans ça, j'ai toujours. Je fais attention. Pardon. Pas le montrer à la caméra. Voilà. J'ai toujours ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Hein, c'est mes 12 mots. Mes 12 mots. C'est ça. Hein, ouais. Mes 12 mots qui me permettent de récupérer mes bitcoins. Si j'ai pas ça. Parce que Bitcoin, en fait, ce sont des adresses BEP32. BEP32. Ouais, j'ai pas l'air comme ça, mais j'y connais un rayon là sur le Bitcoin. Et en fait, ces adresses BEP32, tu peux y accéder de n'importe où, sans forcément ça, mais juste avec ta clé privée. Et cette clé privée, tu es le seul à l'avoir, parce qu'elle est donnée une fois. Et une fois que tu as validé ton wallet, plus jamais tu sais la récupérer. Enfin, maintenant, il y a plein de nouveaux systèmes, mais je veux dire, voilà. Et ça, c'est qu'une clé. Par contre, ta clé privée, c'est le plus important. Et ça, en fait, ça te donne accès à ton wallet. Mais si tu l'as pas et que tu le perds, t'en rachètes un. Tu remets ta clé privée et c'est bon. Et si ça n'existe plus, ou Ledger n'existe plus, toi, tu as toujours ta clé privée. Et tu vas sur un certain site, tu sais toujours récupérer ton wallet avec tes bitcoins si le wallet est BEP32. Donc, ça veut dire que si tu vas sur Mycelium, il est BEP32. Et ben, moi, si je vais sur Mycelium, que je tape mes 12 mots qui sont sur ma Keepkey, je récupère mes bitcoins. Voilà, c'est important de comprendre que ça, c'est que des clés. C'est comme si c'était une clé de bagnole. Tu vois, une clé de bagnole, c'est en changer. Bon, hein, ensuite, changer le baril. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Par contre, il était déjà 22h03, donc c'est la fin de l'apéro crypto. Je suis désolé, on n'a pas su répondre à tout le monde, les gars. Mais c'est un bon apéro crypto. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon petit Xal, c'était cool. Hein. Ouais, c'était sympa. Ouais. En plus, on a parlé d'autres choses pour une fois. On a parlé un petit peu économie, Europe, finance. Et c'est important, je trouve, que aussi la crypto-monnaie, c'est pas que ça, quoi. C'est pas qu'il n'y a pas que la crypto, parce qu'en fait, la crypto s'englobe dans, comme disait Xal tout à l'heure, il faut faire avec le système. Et être anticonformiste, par essence, c'est te conformer à l'anticonformisme. Donc, tu fais quand même partie du système. Tu vois, ceux qui veulent pas faire partie du système, en fait, il faut partie du système, parce que le système a déjà prévu qu'il y a des gens qui ne feront pas partie du système. Donc, ce qui est important, c'est que tu fais partie d'un système. Il faut comprendre le système pour pouvoir utiliser le système pour toi. C'est ça qui est important, tout simplement. Et on a une arme qui s'appelle le Bitcoin. Donc voilà, n'hésitez pas. Choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Merci les gars pour ce bel apéro crypto. Santé, je vous donne rendez-vous demain pour un petit journal de crypto. Merci à mon petit Xaltox d'avoir été présent. Santé à FIFA demain. Ah ouais, et mes bros, mes petits français. Enfin, bonne fête nationale demain. Bonne soirée à tous les gars. Peace les bro. Peace.